Et la plus grosse somme gagnée? Alors, où est-ce que j'ai gagné beaucoup? Est-ce que tu gagnes mieux ta voix? Ah si, je m'en rappelle, c'était la téléphonie. Ça, c'était un truc de malade. Ah ouais? C'était des gros contrats et en plus, j'ai signé pour 5 ans. Téléphonie, c'est-à-dire? C'est à l'époque où... Attends, je te la fais. Salut, c'est Clara Morgan. Tu veux ma photo sur ton mobile? Envoie Clara au 8-12-12. N'oublie pas, C-L-A-R-A au 8-12-12. Ah, ah, ouais, bah, ça laisse rêveur. Ça a surtout payé la baraque. Et les pauvres personnes, bah, ils n'avaient jamais rien sur leur téléphone. Non, ça, c'est pas vrai. Ah, si, ils avaient. Non, à l'époque, c'était la mode. On envoyait comme ça. Mais oui, c'est vrai, numéros, ça marchait beaucoup. Et tu recevais des photos. Oui, y avait aussi, je pouvais faire aussi, j'enregistrais des messageries. Donc, en gros, ça donnait. Enfin, là, je me rappelle plus, mais. Oh, tu veux joindre Julien? Désolé, il est très occupé. Laisse-lui un message. Il faut savoir que vous n'avez pas la vidéo à part si vous venez sur voltage.fr. Mais alors, elle est extraordinaire parce que quand elle fait la voix, il y a tout le corps qui part. Un message. Oh, c'est du, tu te demandes, elle va pas sauter. Je laisse un message. Jordan, non. Je t'écoute. Oui, alors combien ça rapporte alors des spots comme ça publicitaires à peu C'était près. À l'année, carrément. Ouais. Ah, c'est à l'année, donc c'est quoi, 100 000 euros par an, un truc comme ça quoi, 250 000 euros. Ouais, mais bon, c'était il y a longtemps, mais. D'accord. Ouais, c'est, non, mais 250 000 euros. Non, mais pardon, excusez-moi, du coup, ça fait 8 000 euros par mois à peu près. Non, franchement, d'accord. C'était énorme. Mais en même temps, honnêtement, on gagnait un cinquième de ce qu'il gagnait. C'était il gagnait un fric fou avec. Parce que t'enregistres, c'est pour l'année après. Donc, voilà, exactement. Mais c'était la grande mode, quoi. Oui, il n'y a plus ça, même l'équivalent aujourd'hui. La petite Clara, déjà, explique-nous un petit peu tout ça, Clara. Moi, je viens de Marseille. À la base, Marseille. Oui. Tu montes à Paris un jour ou comment ça se passe à la base? Oui, c'est ça. C'est que j'avais envie de me libérer un peu de ma condition, de m'extraire de ma condition, de grandir, de devenir une femme un peu avant l'heure. J'avais beaucoup d'énergie et envie de me réaliser. Je me sentais artiste et en même temps entrepreneuse. Voilà, j'ai quitté la famille pour pouvoir m'épanouir. Et quand tu pars, comment ils réagissent? J'ai fait des choix particuliers, certes. Tout le monde a des choix particuliers. Oui, mais j'avais 19 ans et j'avais. Voilà, il n'y a rien qui m'étonnait, me choquait à partir du moment où. Tu étais bien avec toi-même. Ça m'allait. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu exhibe, je ne vais pas mentir. Ouais, ouais. Et donc, de m'exhiber, on va dire ça, avec son mec, parce que c'était mon. Alors, mec ça, c'est intéressant. Alors, on ne va pas rester longtemps sur cette période, non, parce que tu n'es pas là pour ça. Pas. Mais on en parle deux minutes. Cette période-là, c'est intéressant parce que, comme le disait Silver, c'est vrai que les gens ont aimé ça. Alors, c'est vrai que tu as une vraie notoriété. Alors, j'ai un secret. Quoi? Je suis bien meilleure maintenant.